un chant à la page 357. Au Seigneur, je viens vers toi. 357. Je crois que c'est surtout des textes qui nous
création, eh bien, nous pouvons reconnaître humblement que, comme dit le psaume, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et demandons-lui sa miséricorde, qui seule peut nous relever dans nos épreuves. Seigneur Jésus, tel un semeur infatigable, tu nous apprends à nous donner sans compter. Ainsi parle le Seigneur Dieu.
À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige, au sommet de sa ramure. J'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même, sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors, tous les herbes des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et revenir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance. Et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia.
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : Il en est du règne de Dieu comme un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, et enfin du blé plein d'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la soucis, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore : À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences, mais quand on la semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors c'est vrai que parler de ces paraboles ici, dans notre bonne paroisse, qui recommence, reconnaissons-le, est plutôt rurale que citadine, c'est certainement plus facile parce que, au moins ici, ça parle quand on parle de semences, de blé. Ça peut peut-être aussi déjà nous rappeler une chose, c'est que Jésus était quelqu'un de la campagne. Il est d'abord né à Bethléem, un petit village. De Bethléem, que peut-il sortir de bon ? Et puis, il a grandi à Nazareth, on va dire un peu le chef de canton. Donc, quand Jésus parle, il sait qu'il s'adresse à une société très rurale. Alors, un mot pourrait résumer les textes que nous avons écoutés. Et ce mot, je pense qu'il résonne là aussi dans la vie de beaucoup d'entre vous qui avait travaillé ou travaillé encore la terre. Il y en a même qui attendent d'ailleurs la retraite pour se mettre à travailler la terre à travers la permaculture. Ce mot, c'est le mot de confiance. Et oui, parce que le travail de tout bon agriculteur, c'est d'abord d'être dans la confiance. Confiance au-delà de ce qu'il peut maîtriser. Confiance que la graine qu'il va semer, que la bouture va pouvoir grandir et va pouvoir donner du fruit. Et là aussi, il espère dans la confiance que l'épi donnera 100 pour 1. Ce mot de confiance, je pense qu'il est à retrouver. Peut-être particulièrement justement dans notre époque actuelle, où d'un côté on a un homme, l'homme au sens terrien du terme, au sens de l'homme dans notre société, qui voudrait tout maîtriser, qui voudrait même se rendre maître du corps dans toute son intégralité et de la nature, en faire finalement ce qu'il veut, qui voudrait même coloniser les planètes et qui reconnaît par la force des choses qu'il en est bien incapable. Et toute la chimie et la technologie qu'il essaye de déployer finalement n'arrive qu'à une chose, à créer des pandémies. Alors oui, sans doute que ce texte nous interpelle sur une certaine humilité et que derrière l'orgueil et l'ultra-confiance en soi de notre humanité,
la puissance de l'amour de Dieu. Alors reprenons d'abord notre parabole. Confiance que cette semence va porter du fruit. Il jette en terre la semence, malgré les aléas de la météo et d'autres soucis, il est confiant. Il est confiant que dans ce petit bout de graine, il y a parfois même un arbre qui est caché et qui va pousser et qui va donner du fruit. Et que d'une graine, il va en récolter une centaine. C'est ce qui est écrit dans Ézéchiel, cette confiance dans l'action de Dieu. Mais cette confiance, elle n'a de sens, vous le pensez bien, que si Dieu lui-même fait confiance à l'homme. Parce que celui qui sème, c'est bien l'homme. Celui qui va ensuite récolter à la fin, c'est de nouveau l'homme, à condition qu'il sache reconnaître que c'est le moment. D'une certaine manière, on pourrait dire que derrière reconnaître que l'épi est prêt à être moissonné, c'est peut-être reconnaître d'abord que Dieu agit dans notre monde, que Dieu agit dans notre vie, que Dieu agit à travers ce grain de blé qui maintenant va donner des multitudes de grains de blé. Oui, je crois que derrière cette première parabole, il y a d'abord une immense confiance de Dieu en l'homme. Dieu fait une totale confiance en l'homme parce qu'il l'aime. Et on sait qu'on fait toujours confiance en l'être aimé. Peut-être même au-delà de ce que parfois il est capable de faire. Peut-être même d'ailleurs, comme on le dit, que l'amour rend aveugle et qu'on fait confiance plus que la personne ne le mérite. Mais Dieu prend ce risque et il est dans cette confiance de faire grandir ce qu'il sème en l'homme pour que l'homme ensuite puisse lui-même reconnaître et témoigner. Alors, il y a ensuite cette deuxième parabole. Cette parabole de la graine de moutarde. Je ne sais pas si vous avez déjà planté de la moutarde, en tout cas, une chose est sûre, ça ne donne pas un arbre. Mais c'est peut-être autre chose qui est à entendre. Et moi, j'aimerais proposer une autre image à travers cette graine de moutarde. Autrement dit, cette toute petite chose qui est appelée à s'étendre au point que les oiseaux viendront y faire leur nid. Autrement dit, que les oiseaux viendront s'y poser, reprendre des forces, y trouver leur nourriture. Peut-être que vous me voyez venir. Je vous propose de prendre comme autre image notre Église, l'Église chrétienne au sens large. Au début, tout commença avec un seul homme. Oui, d'accord, c'était le Fils de Dieu. C'était la parole qui s'est faite homme. C'est Dieu qui a décidé de se faire tout petit comme une graine, autrement dit, de se faire homme, mais pour justement aller jusqu'au bout, avec l'homme. Au départ, un seul homme, puis quatre, puis douze. Oh, pas les meilleurs, si ce n'est peut-être le premier. Pas des super-héros, ni des gens très intelligents, ni des super-diplômés, ni des gens avec lesquels on aurait tendance à compter pour construire de grands empires. Non. Des gens les plus humbles, les plus modestes. Peut-être même les plus bêtes. Et entre eux, on est loin de
de ce qu'on attend de la bonne ambiance et de la cohésion d'une bonne équipe, comme on l'attend de l'équipe de France dans cette Euro qui commence. Parce qu'il y a eu des jalousies, des trahisons, des reniements. Et c'est au milieu de tout ça que ce grain semé va mourir. Va mourir parce que pour donner du fruit, il fallait qu'il meure. Et nous savons bien que le premier fruit qu'il a donné, c'est la résurrection. Et puis la Pentecôte. Et puis l'Église qui va petit à petit commencer de pointer, de germer, de donner des petites herbes, commencer à faire parler un petit peu d'elle autour d'elle. Et maintenant, si nous nous projetons à la fin, enfin pas tout à fait, mais peut-être pas loin, de la moisson, nous voyons notre Église, 2000 ans plus tard, avec plus d'un milliard de chrétiens, et toutes ces œuvres caritatives pour le bien de l'humanité qui ont été fondées. Pourtant, comme je le fais remarquer, il n'y a eu aucun grand plan de carrière, aucun budget, ni planning prospectif établi au départ. Mais la parole a fait son chemin à la vitesse d'un escargot. Mais elle a converti des cœurs, elle a retourné des vies, elle a renversé des idéologies. Aucun empire n'en est venu à bout. Et tous ont, eux, disparu. Mais cette Église elle-même, ou bien cette parole à travers l'Église, a été elle-même source de communion, mais aussi de division, de paix, mais aussi de guerre. Mais à travers mondes et vallées, la parole a grandi, s'est répandue, a porté du fruit. Et aujourd'hui, quoi que nous en pensions peut-être dans nos pays occidentaux, cela continue. En Afrique, en Amérique latine, en Chine, même dans toute l'Asie. Oui, souvent on entend l'Église, où en est-elle? Elle va disparaître. Moi, je vous inviterai à aller discuter, et peut-être vous pouvez le faire avec mon successeur, sur comment se vit l'Église dans beaucoup d'autres continents. Mais même chez nous, si l'on sait justement guetter les fruits de la moisson, comment ne pas reconnaître des fruits à travers ces jeunes fiancés qui demandent encore aujourd'hui le sacrement de mariage, quitte à être moqués par leurs amis, des parents qui demandent et qui s'engagent dans le sacrement de baptême pour leurs enfants, et puis ces enfants qui demandent de leur propre gré, c'est ça qui est d'autant plus important, à commencer de communier, ou même à recevoir le baptême. Sachez que l'année prochaine, il y aura deux enfants en âge scolaire, autrement dit, qui ont entre 7 et 8 ans, qui, absolument pas poussés par leurs parents, j'oserais même dire l'inverse, vont demander le baptême. Et puis il y a tous ces jeunes, ou un peu moins jeunes, qui demandent le sacrement de la confirmation. Cette année, c'est encore plus de 300 personnes qui, dans notre diocèse, ont décidé de faire ce pas. Et puis on pouvait encore beaucoup parler de toutes ces communautés religieuses, nouvelles, charismatiques, et qui sont nées là aussi il y a 50, 60, 70 ans, ou 700 ou 800 ans, et qui continuent, et qui se répandent dans le monde. Oui, la semence grandit, l'Esprit Saint agit, le royaume de Dieu est là. Petite graine qui devient un arbre, et qui s'est profondément enraciné dans la terre de notre monde. Parce que celui qui est vraiment à l'œuvre,
c'est Dieu. Dieu qui, comme dit le chant, est à l'œuvre en cet âge, comme il a toujours été depuis la création du monde, d'ailleurs, c'est derrière lui qu'il l'a créé. Pourquoi voudriez-vous qu'il n'en prenne pas soin? Alors, ayons confiance, ayons foi, et que notre foi se fasse missionnaire en nous en témoignant par nos paroles et nos actes les merveilles que Dieu fait dans notre monde et dans nos vies. Et que notre foi se fasse active par tous nos gestes d'amour pour Dieu et pour nos frères. Amen. Nous pouvons nous lever pour proclamer notre foi, proclamer notre confiance que Dieu est toujours à l'œuvre en cet âge. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert. L'Église a pour mission de semer la parole dans les cœurs. Pour les évêques, responsables de l'annonce, pour les prêtres, les catéchistes, pour nous aussi, parents et grands-parents, qui avons un devoir de transmission de la foi et des valeurs évangéliques, demandons à l'Esprit-Saint de faire germer et lever la semence. Ensemble, nous te prions. Auprès des plus petits,
des malades, des exclus, et fais grandir son règne. Ensemble, nous te prions. Sur la terre. Comme cette eau qui bat le sacrement de l'Alliance nouvelle, de plaigner la dignité de celui qui parle après notre maladie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent trouver et puissent toujours en bénéficier. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Le Seigneur est avec nous. The man.
même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. » Thank you.
page 321. Oh.
Ô Christ, que ton esprit garde en nous cette confiance, qu'il la fasse grandir dans la joie ou l'épreuve, qu'elle soit aussi confiance dans l'autre et pour l'autre. De chacun, tu peux faire un véritable enfant de Dieu, en qui pour toujours resplendira ta ressemblance. Nous te demandons par toi, Jésus notre Sauveur, qui vit et règne avec le Père et l'Esprit Saint aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Juste pour information, donc samedi prochain, messe à 18h30 à Souterrain et dimanche à 10h30 à Saint-Germain-Laval. Et puis je vous rappelle, si vous n'avez pas encore écrit en gros sur vos agendas, que le 1er août, nous nous retrouverons nombreux, je l'espère, pour que je puisse vous dire au revoir et que nous puissions faire un peu la fête. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons, et portons en nous l'amour du Christ. Bonne fin de journée à vous et profitez bien de la chaleur avant qu'elle ne s'en aille. Nous pouvons prendre page 203. Je crois en toi, mon Dieu. 203. Je crois en toi. Ça va, et toi? C'est ça? Non, c'est les fêtes.
Alors, des personnes vaccinées qui nous prennent. Oui, alors ça sert à rien. Vous êtes vacciné? Oui. Nous, on va avoir la deuxième dose. Ah oui. Bon, alors, voilà. Oui. Après, 27 ans.